La question, c'est peut-on réussir à apprendre à contrôler son anxiété sous cachet, donc sous médicament, j'imagine, car j'ai peur de ne pas sentir à fond les symptômes à cause du traitement et que quand je vais les arrêter, ça va être horrible. Alors, plein de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de faire court. Donc déjà, est-ce qu'on peut s'en sortir sans médicaments? Oui, médicaments, ça aide, c'est sûr, mais c'est pas une solution à tout, on va dire, si je fais très très court. C'est sûr qu'effectivement, tu sens pas à fond les symptômes quand tu es sous traitement, parce que bah, c'est le but du traitement. Je sais que dans mes programmes en ligne, la très grande majorité des personnes sont sous traitement, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez le médecin, tu as direct un traitement. C'est même pas une option, en fait. Donc voilà, c'est très courant. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu les arrêter justement parce que effectivement quand tu arrêtes déjà faut jamais arrêter sans le contrôle d'un médecin hein, ça se fait progressivement, il y a tout un protocole à suivre et effectivement c'est vrai que ça arrive que lors du sevrage tu aies à nouveau des symptômes mais justement ça s'apprend à justement alors j'aime pas le terme contrôler parce que justement il faut faire tout l'inverse mais ça s'apprend d'accepter les symptômes. Et du coup, oui, tu arrêtes le traitement et tu peux avoir des symptômes, mais en fait, les personnes qui l'ont fait étaient totalement OK avec ça parce qu'elles ont appris à accepter leurs symptômes et à accepter leur anxiété.